Voilà, ça me fait quelque chose de la voir, hein. Pas possible. Vous avez bonsoir. Un set juste derrière, au cas où. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment bien. C'est un bijou, ce moment, franchement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Menel. Et tu viens d'où? Je viens de Besançon, en Franche-Comté. Et dis-moi, alors tu parles arabe ou tu chantes en arabe seulement? Alors, j'ai des origines syriennes. Syriennes? Oui. Et donc, je parle arabe depuis que je suis petite. Alors, tu as amené ta propre lumière. Une lumière qui est fragile, une lumière qui est forte, sans chercher d'imiter aucun style. Tu as approprié cette chanson dans une manière très élégante. Une chanson qui est très difficile à transformer. Mais toi, tu as pu le faire parce que tu as raconté ta propre histoire. Et c'est pour ça que c'était beau. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On était vraiment dans l'orfèvrerie. J'étais complètement envoûté. C'était parfait. J'avais l'impression d'être ailleurs, tout simplement. C'est évident pour nous quatre, mais tu as ta place dans The Voice, mais vraiment un très, 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 très haut niveau. Merci. Tu
toi, en effet, tu es dans ce qu'on appelle la dentelle. Donc, tu proposes quelque chose de parfaitement ciselé. Moi, je n'appuie pas tout de suite parce que j'attends de voir si, en plus de la dentelle, il y a aussi un peu de puissance et si on arrive sur certaines notes avec suffisamment de présence. Et donc, forcément, on est tous là à appuyer et à te solliciter pour venir dans nos équipes. Bravo. Merci. Bonsoir mademoiselle. Moi j'étais très émue parce qu'en fait vous chantez sans filtre et j'avais l'impression de rentrer dans la chambre d'une jeune fille et qu'elle me file son journal intime et que je puisse le lire, que je puisse regarder les secrets dedans. C'est ce mélange d'extrême pudeur avec beaucoup de courage et d'impudeur en même temps. C'est pas impudique du tout ce que vous avez fait, mais c'est sans filtre, c'est pur, ça vient de votre cœur. Et ça m'émeut encore plus parce qu'au début, j'avais tellement la trouille que quand je faisais mes prestations, j'avais la tremblotite aiguë. Et donc, quand je faisais mes voix en studio, j'étais obligée de m'asseoir, ce qui n'est pas très bon pour la colonne d'air, mais on s'en fiche, pour pas juste tomber dans les pommes. Voilà, c'était aussi une manière de rentrer dans ma coquille. Merci de nous offrir votre coquille et merci de nous offrir ce qu'il y a à l'intérieur. Merci à vous quatre. C'est compliqué, hein. Mais je pense que je vais partir avec Mika. Non. Merci, merci beaucoup. C'est très beau, vraiment. Bravo. Bravo, hein. Bravo. C'était extra. Bienvenue. C'était super.